Et c'est parti du premier coup avec le 4, malheureusement galop, espoir Marie-Jeanne. Le 2 qui va tout de suite prendre les devants. Au deuxième poteau, on est très bien parti avec New Horizon qui est lancé à la poursuite de Julio Scamanto. Deuxième position néanmoins pour le 3, Hugo de Tournibois. Avec côté corde, l'As Isonza. Et c'est sûr qu'on a déjà quasiment refait 10-15 mètres, hein, puisque New Horizon est déjà sur les talons de Julio Scamanto et des chevaux du premier poteau. Malgré les deux poteaux de départ, le peloton est déjà reformé dans ce premier virage. Sous l'impulsion du numéro 2, Julio Scamanto, qui emmène dans son sillage le numéro 3, Ego du Tournibois. On a vu une hésitation de l'As Isonza dans le premier virage, mais qui se relance bien à la sortie de ce premier virage, en quatrième position, vraiment faisant le rail, serrant la corde. C'est le favori, pardon, le numéro 5, New Horizon. Voilà, New Horizon qui progresse, hein, côté corde, et qui va venir quasiment aux côtés de Julio Scamanto dans quelques instants. On lui a ouvert un boulevard, y compris Julio Scamanto, qui n'est pas resté long de la corde, voilà, qui se rabat maintenant devant le 5 New Horizon. À l'extérieur, là, Isonza. Le 3, Ego de Tournibois vient ensuite. Et puis le numéro 6, Kelly Swartland, qui est finalement le dernier à recoller au peloton. Pas beaucoup de changements en tête de course, toujours sous l'impulsion numéro 2, Julio Scamanto, pour bientôt sortir du virage des écuries. Isonza, à l'extérieur, au centre, le numéro 3, Ego du Tournibois, et toujours continuant son petit bonhomme de chemin côté corde, le favori, le numéro 5, New Horizon. On a recollé avec le numéro 6, Kelly Swartland. Voilà, passage devant les tribunes avec le numéro 2, Julio Scamanto, qui a toujours l'avantage. Derrière, c'est très très serré avec trois concurrents sur les mêmes lignes. De la corde vers l'extérieur, New Horizon, Ego Tournibois, Isonza et en retrait, Kelly Swartland. Le poteau du dernier kilomètre a été entamé en tête par toujours ce numéro 2, Julio Scamanto. Une petite course de rentrée pour elle aujourd'hui après ses deux victoires de fin d'année 2023, accompagnée toujours par à l'extérieur le numéro 3, Ego du Tournibois. On lâche quelque peu avec l'As Isonza qui progresse en 4-5e position. À présent, New Horizon, toujours côté corde, planqué par l'animatrice, attend son heure. Pas de changement dans cette course, hein, si ce n'est que l'As coince complètement sous la conduite de Julio Scamanto, New Horizon dans son dos. À l'extérieur, on essaye d'accrocher le bon wagon avec notamment le numéro 6 qui revient et puis le 3 à l'extérieur, hein, toujours Ego de Tournibois qui n'a pas dit son dernier mot. La victoire devrait se jouer entre ces trois-là. Ils sont vraiment très groupés dans le dernier virage. Toujours en tête, Julio Scamanto. À l'intérieur, c'est New Horizon qui ne peut trouver le passage pour le moment ni à l'extérieur ni à l'intérieur. On assure quelque peu le virage avec le numéro 3, Ego du Tournibois, qui se casse un peu dans ce dernier virage. Allez, Julio Scamanto qui se présente seul en tête dans l'ultime ligne droite. New Horizon qui ne peut pas venir à sa hauteur pour l'instant. Avec toujours une belle explication. Julio Scamanto à l'avantage. New Horizon qui fait son intérieur. À l'extérieur, le numéro 3, Ego du Tournibois. Et puis Kelly Swartland qui finit bien comme à son habitude. Julio Scamanto qui va le faire de bout en bout sans être inquiété. Le 2 devant le 5, le 3 sera troisième devant le numéro 6, Kelly Swartland. Voilà qui conclut notre matinée de course avec cette épreuve au trot monté. Une nouvelle fois, un couplet de Céline Anguena et de Anna Huggins. C'est Céline qui s'impose devant Anna.